Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy X. Donc on se retrouve juste devant le combat où on devait attaquer ces bestioles. Donc on va plus demander à Waka d'attaquer Sin. Pain. Ah, il a garde. Donc ce qu'on va faire, on va invoquer Valefort et on va voir la son overdrive hein, qui est vraiment trop stylé. Vous allez voir. Valefort. Donc c'est pour ça que j'ai gardé son overdrive pour pouvoir l'utiliser pendant ce combat. Enfin, je pense qu'il y a moyen de l'utiliser même comme ça. Donc on commence direct avec overdrive sur lui, enfin sur Sin, qui est surcheaté. Entre guillemets, ça enlève pas mal de vie quand même. Ça enlève 1100. Ça fait beaucoup. Il change de place. À quoi ça sert? À rien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tuer les trois oiseaux. Non, deux oiseaux pour. Non, mais c'est une blague. Mais c'est mon tour. Mais. Ouais, moi, que l'overdrive prend beaucoup de tours, mais ça m'étonnera. Donc, on va tuer les deux là. On va en tuer deux. Donc, bim. Il n'est pas mort et je suis dans la merde. Aïe. J'aurais peut-être dû les tuer avant. Aïe. Bon, au moins je pourrais refaire l'overdrive une deuxième fois. Hein. C'est déjà ça. Et donc, peut-être tuer Sin. Je pense qu'il y a moyen que je le tue là. Si je meurs pas avant. Parfait. On va niquer Sin. On va niquer, vous allez voir. Il est fouetté. Hurlement du dragon de fer, énorme blague. Et meurt. Overkill. Et voilà, on a gagné, on est trop fort. T'as des boules, t'as des glandes, t'as des crottes de nez qui pendent. Ah oui, carrément. Alors là, what? Mais. Ah, c'est sa queue. J'allais dire aussi. Il est grand quand même. Hein. Et voilà, on a gagné les doigts dans le nez. Wetidus. Wetidus est en train de se faire massacrer. Le ballon il est en métal maintenant. Allez, une petite potion soin. Et bim. Salut. Ça va? Moi ça va. Oula, des dauphins. J'avais oublié qu'il y avait les dauphins. Lui, j'avais pas oublié. Une deuxième pieuvre. Enfin, celle-là, elle est what the fuck. On va juste les martyriser.
Par contre, si on meurt, je ferai une ellipse le temps de reniquer Sine, parce que il va falloir commencer, forcément. Ouh, je souffle. Comment ça se fait qu'il y a déjà ces cités? Ça m'étonne. Bim! Aïe. 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 Allez, prends-toi ça. Donc le boss a 6 cités, je sais pas comment il l'a eu. Ah, mais non, mais d'accord, la balle de Waka, c'est automatique, ça. C'est fou, ça, je vois mieux Ouais, comment ça se fait que je vois mieux? En fait, je vois mieux en regardant le filmage que en regardant la télé, parce que c'est beaucoup plus clair. Comment ça se fait, ça, j'avais réglé pour toi? Je sais pas. Ce truc, je déteste parce que ça fait super mal. Et qu'on peut pas l'esquiver. Forcément. Allez, Waka, un petit cécité. Bim. Ah, ça marche pas à chaque fois. D'accord. Je crois qu'il est plus en cécité, là. On va donner des potions. Ouais, non, il est plus en cécité, là. C'est Waka qui... C'est Tidus qui joue, dans ma son. On va se donner une potion. Allez, hop. Potion. Maintenant, spécial cécité sur le boss. Bim. Voilà, t'as les boules. Un petit coup d'épée de Tidus. Et là, il va nous faire l'attaque qu'on peut pas esquiver, forcément. Ah non. Raté. Oui. Il n'y a pas moyen que je... Non. Bon bah tant pis. J'aurais aimé que les petites bestioles ne m'attaquent pas. Enfin, j'aurais pu les tuer, mais bon. Je préfère m'attaquer au boss direct. Bim. Bientôt mort, ma tourbillon, ça me saoule, j'aime pas tourbillon. On va... Et les potions, hein. Je pense que c'est une meilleure idée. Allez hop. Objet, potion, Tidus. On se régène, voilà, parfait. Aïe et aïe. Et arrêtez de vous acharner sur Tidus. On peut les tuer, les petites bestioles, mais je préfère attaquer le boss. Moi, je sais, je vais vous le dire. Allez, meurs. S'il te plaît. Non. Oh, mais il est résistant tout de même. Il est très résistant même. Raté. Ah merde. Ah, il a pu cécité. Spécial cécité. Bim. Une petite attaque. Mais il peut pas mourir. On va se donner des potions. Non, mais il est sérieux. Tidus, il va mourir. Ah non, c'est bon. Objet. Potion. Tidus. Objet. Potion. Waka. Oh la vache. Je ne savais pas avoir utilisé autant de potions. Objet, potion, Waka. Waka. On va se redonner un maximum de vie. Option, potion, Tidus. Et hop, on s'est donné 4 potions. On a utilisé 4 potions, ça fait beaucoup. Et là, en fait, il suffit juste que je le frappe une fois. Ça me fout trop les boules quand je fais ça. Allez, t'es foutu. T'es foutu. Raté. Et bim! Je déteste quand je fais ça! Je déteste! Vous imaginez même pas à quel point. Et voilà, il est mort, il est mouru. Et on est déjà à 10 minutes de vidéo, ça va super vite. Au moins, on a eu 10 minutes de fight. Bon, c'est assez long, mais bon. C'est bien quand même. Ok, alors Yuna, Waka et.
Harpon. Ah, Harpon, c'est pour qui? C'est pour... comment il s'appelle, le tigre? Je sais plus comment il s'appelle. Bon, allez, à tout de suite. Sin attacked Xanarkand that day. I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse, too. I will defeat Sin. I must defeat Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Donc voilà, donc on se retrouve sur je viens de voir le prénom du livre, je m'en souviendrai pas. L'autre fois je vous avais dit sur Bezaï, mais non, on n'allait pas sur Bezaï, mais on allait sur machin Kilika ou je sais plus quoi là. J'ai toujours du mal avec les prénoms de ce jeu. On peut monter sur le bateau ou pas? Si je peux... ok, on peut pas. Donc là, on va avoir une cinématique trop stylée. Triste, mais trop stylée. Alors, voyons s'il n'y a pas des coffres. Toi, tu me dis quoi? Le bar est fermé. Je peux pas bosser, moi, si j'ai pas bu mon petit verre. J'en ai marre. Tilus, fais gaffe. Ça peut s'écouler à tout moment, ici. Okidoki. Ah, attendez. Un truc que j'ai raté. Ah oui, toi. C'est toi, tu es vivant? J'en ai... Ah, excuse-moi.
Désolé, la boutique est fermée pour le moment. What the fuck? Ok. Les gens sont chelous ici. Bref, on se retrouve après la cinématique. Chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way until the end. Until the end? What's the end? She defeats sin.
you did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. I wished there would never be a next time. No more people being killed by Sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Donc voilà, donc une petite cinématique sympa mais triste. Donc on fait une petite sauvegarde, mais à... il reste 10 minutes de vidéo. Il y a l'air de rien à voir. C'est fou ça. Ouais, il y a dehors. On va aller voir un petit peu quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu dis? Mark is waiting for you. Qui m'attend pourquoi? Grâce à Mademoiselle Yuna, nos défunts ont pu trouver le chemin de l'Odéa. Quelle chance qu'elle soit passée par ici, c'est Yvonne qui nous l'a envoyé. Mais oui, c'est ça. C'est nous qui choisissons si on vient ou pas, ok? Arrêtez de parler d'Yvonne, j'aime pas. Alors. On va aller voir là, celle qui a la boutique. Et pas toucher à l'incendie, sauf si c'est pour acheter. Bien sûr, c'est pour acheter. Alors. C'est pas très. On va rien acheter. D'ailleurs, donc, j'y pense équipement. Kimari, voilà, il s'appelait Kimari. Donc en arme, il a eu la lance. On va garder celle-là. Elle est mieux. Ensuite, on a la cristal d'appui. Ça déjà équipé. On va laisser ça comme ça. Ensuite, 3-4. Attendez. C'est une boîte des ténèbres. Là, t'as rien. Tidus. Ok. Ok. Et Lulu. Rien. Et rien du tout. Alors on va faire ce ferrier, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Alors Lulu, tu es là, utiliser. Non, je peux pas déplacer le chemin. On va aller là. Oui. Utiliser sphère mentale. Voilà. Non. Ensuite, Tidus. Déplacer. On va aller là, hop. Utiliser sphère physique. Utiliser sphère physique encore. Non, déplacer cette fois. On va se déplacer là. Et utiliser sphère compétence. Ensuite, Waka. Alors, utiliser rien, déplacer. Il y a quoi là? Il n'y a rien pour l'instant. On va aller là. Utiliser sphère d'agilité. Et sphère physique. On va se déplacer encore un petit coup. Voilà. Utiliser sphère mentale. Et voilà. Ensuite, Kimari. Ah non, Yuna, pardon. Tu peux rien se déplacer. Alors, le chemin. Il y a quoi là-haut? Ah non, plus pas. Déplacer. On va se mettre là. Utiliser sphère compétence. Utiliser sphère compétence. Voilà. Et non. Kimari, alors qu'est-ce que tu peux faire toi? Bien. Un peu. Ah il y a 0 level. Et donc voilà, donc on a fini le sphérier pour cette fois. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des coffres. Le mec qui pense qu'au coffre. Là il y en a peut-être dans l'eau. Ah, on peut pas aller dans l'eau. Le bâton n'est plus là. Je dois être... Ok, je m'en fous que tu aies le mal de signe. Tant que tu me donnes pas d'objets, je veux des objets.
On va aller de droite. Non, on va aller dans le bar déjà. Hop, voilà. Manuel Abed, vous avez appris qu'en Albed, le T correspond au défi. Tidus a atteint un niveau de Winjija Albed. J'ai bien fait d'y aller. Ensuite, j'ai rouvert le bar, mais il n'y a plus rien à manger ni à boire. Ok. Ça m'est égal qu'il n'y a rien à manger, je veux seulement rester ici. J'ose plus regarder la mer chaque fois que je le fais, j'ai l'impression de le voir ici. Bah, c'est traumatisant, hein. On dirait qu'il lui s'en fout en fait. On dirait que ça leur fait rien. Summoner O'Holland used to live in the Kiika temple here. Yep, Lord O'Holland was once a great blitzer, you know. Waka. Praying for victory is so good. But is this right? Something wrong with enjoying blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win. Right? Right. Tempo's beyond the jungle there. Let's go. Ok, donc j'y vais qu'il s'en fout un peu. Pas vraiment, parce que tout à l'heure il a dit je voudrais plus jamais revoir ça, blablabla. Il s'en fout pas, mais je trouve qu'il y a un petit. Je sais pas comment expliquer. Bref, ouais, donc on va aller dans la forêt. Et je pense qu'on va se laisser là. Toi, je t'ai déjà parlé. Y'a quoi là-dedans? Ah. C'est d'où on vient. Toi, je t'ai déjà parlé. À gauche, il y a quoi? Je voulais croire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Qu'au matin, en me réveillant, tout sera redevenu comme avant. Malheureusement, ce n'était pas le cas. J'aurais dû leur parler parce qu'ils me dépriment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bonjour. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Laisse-moi tranquille. Ok. Mon mari est atteint du mal de cils. Pardonne-lui, il ne sait plus ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Ah, coffre. Au dernier moment, potion x3. Parfait. Allez, il est atteint du mal de cils. Je m'en fous. Coffre. Nickel, yes, j'ai un coffre. Ah, attendez. Personne. Il y a peut-être un coffre à côté d'elle. Pourquoi tu pleures? Quoi? Oula. Ah oui, je me souvenais pas de ça, hein. Je l'avais pas fait, j'ai pas dû le faire ça. Ok, on a bien fait d'aller voir, hein, parce que le gosse il allait se noyer. Oula, gosse. Bref, on est bientôt à 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Donc, le prochain épisode, on sera dans la forêt, et oui. Cucu. Ok. Donc, on va s'arrêter là, on est bientôt à 30 minutes, c'est parfait, on est dans le timing. Hop, on s'est gardé deux palettes. Bon, bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!